Bonjour, bonjour, c'est Agathe Derba d'ADN Coaching. Je suis experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à oser vivre du job de leurs rêves pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spontanée qui va être assez courte. Car je ne travaille pas cet après-midi et que je suis avec mon fils et que nous allons aller profiter du soleil, car il fait un temps magnifique à Paris, temps très estival, ça fait du bien. Et j'avais malgré tout envie de partager avec vous, car je reviens d'un petit déjeuner de réseautage organisé par Angélique Tartière et Charlotte Marican, et j'ai passé un moment extraordinaire de partage. Je suis repartie vraiment reboostée à fond, pleine d'énergie. J'ai rencontré, alors déjà j'étais ravie de rencontrer enfin Angélique et Charlotte que je suis depuis un petit moment sur le web et notamment sur Facebook. C'est toujours tellement un plaisir justement de rencontrer pour de vrai, comme on disait quand on est enfant, des femmes qu'on ne connaît que virtuellement. Donc ça a vraiment déjà été un énorme moment de bonheur pour moi. Et puis aussi parce que les autres femmes qui étaient là étaient extrêmement rayonnantes. Et le constat que je fais à chaque fois que je vais à ce type d'événement, de rencontrer d'autres femmes, eh bien, je trouve ça extrêmement boostant, énergisant. Ce sont toujours de très belles rencontres que je fais et j'adore ce type de moment. Et justement, le partage que j'ai envie de vous faire à vous qui êtes peut-être en transition de carrière ou dans une phase de reconversion. Coucou Emma! Tu sais que tu fais partie justement des femmes que je ne connais que virtuellement pour le moment et que j'ai tellement hâte de rencontrer en vrai, en live, le dimanche 11 juin. Ça approche, ça approche. Donc j'étais en train de vous dire si vous-même, vous êtes en période de transition de carrière. Je ne cesse de le dire à mes clientes, il est primordial de bien vous faire, de bien être entouré en fait, d'avoir des personnes avec qui vous pouvez partager vos victoires, vos doutes, vos angoisses, vos peurs. Et comme je disais dans ma vidéo de lundi, de savoir vers qui vous tournez quand vous n'allez pas bien, quand vous avez besoin justement d'être à nouveau énergisé, il faut avoir dans sa vie, surtout à dans des périodes de transition où on change des choses, où on a peur du jugement de certaines personnes, il est primordial d'avoir des personnes dans son entourage sur qui on peut compter et qui vont nous apporter cette énergie, nous booster, nous redonner confiance en nous. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois quand je vais à ce type d'événement où je rencontre des femmes que je connais ou que je ne connais pas. Ça fait tellement de bien, tellement de bien. Donc, si vous êtes en période de transition, vous voulez vous reconvertir, primordial de savoir vous faire accompagner, d'être bien entouré. Donc, c'est pas nécessairement de vous faire accompagner par une coach ou mais d'avoir des personnes qui vont pouvoir être là pour vous booster, vous aider à passer à l'action et vous motiver. Voilà, c'était le message du jour. Alors bien entendu, si cela fait écho en vous et que vous avez l'impression justement d'avoir un bon entourage qui vous motive, qui vous stimule, mais peut-être pas assez et que vous avez besoin justement de ce que certaines appellent un coup de pied au derrière, justement, pour vous aider à passer à l'action ou à trouver votre voie. Écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. C'est très simple. Vous allez sur mon site www.adncoaching.fr et il vous suffit de remplir un formulaire pour une séance découverte gratuite et nous passerons ensemble 30 minutes au téléphone pour faire le bilan, le point sur votre situation actuelle, voir ce à quoi vous aspirez, quel serait votre job idéal et envisager comment continuer à avancer ensemble. Voilà. Écoutez, j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous très prochainement et sachez vous entourer, c'est le message du jour et je vous dis à très vite. Bye bye!